Chang, tu es de retour. Ah oui, je suis. T'as amené le soleil avec toi. Parmi vous, parmi nous alors. Je suis très content. Alors, tu as resté combien de temps à Cambodge? Presque 3 mois là-bas. Il fait toujours très chaud, très chaud. Et comme d'habitude, quand je suis là-bas, je ne m'arrête pas de travailler, c'est pas pour reposer. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais alors? Dites-moi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, je construis des puits, plusieurs puits. Cette année-là, j'arrive à faire du grand puits, le bassin avec la pompe. Et ça coûte environ 400 euros. Oui. Chaque puits, il y a bassin et la pompe. Et l'autre chose, je ramène... C'est dans un village qui n'a pas de l'eau de tout. Il n'y a pas de l'eau de tout parce que je vais visiter sur place. Je demande auprès des moines, des chefs de village, chercher l'endroit où il y a la misère. Il y a l'endroit que la sécheresse est totale. Il n'y a pas de l'eau. Les gens qui déplacent 5 km ou 4 km comme ça pour avoir un seau d'eau. C'est ça que, en voyant ça, je ne peux pas fermer les yeux. Alors chaque année, comme je fais comme d'habitude, chaque année je rentre là-bas au Cambodge, c'est pour cette idée-là. Et d'autres choses, je ramène les médicaments. Et je soigne des malades, des gens qui sont malades, les enfants, les adultes, comme ça, toujours maladie de la peau. Pourquoi? Souvent, c'est grâce au manque de l'eau. Ils ne boivent pas de l'eau assez, ils ne mangent pas les légumes, ils manquent de nourriture, ils manquent de vitamines et tout ça, c'est pour ça, et surtout l'eau. Vous savez, quand on n'a pas assez de l'eau chaque jour, il faut boire au minimum 1,5 litre, 2 litres ou 3 litres comme ça pour qu'on puisse survivre avec la bonne santé. Ils boivent peut-être un verre d'eau, même pas des fois. Et donc la base c'est de l'eau. C'est de l'eau. La maladie vient de l'eau. Ici dans l'Ouest, c'est dans le robinet. Oui. Là-bas, les gens. On ne pense même pas à l'eau. S'il peut avoir de l'eau, c'est l'eau sale. L'eau n'est pas propre. D'accord. L'eau sale, c'est pour ça qu'ils sont malades, c'est à cause de manque de l'eau propre. C'est pour ça que même les gens qui arrivent à avoir de l'eau, ce sont des eaux sales pour contaminer l'eau vraiment. Je vois sur place, je sens l'odeur de l'eau qui la ramène. Il y a plein de batteries, il y a l'eau sale. Il a essayé d'utiliser cette eau-là pour le service et tout. Dernière question, combien d'années tu as fait ça, ce travail magnifique? Déjà, qu'est-ce que je fais? Je commence à l'année 2004. Maintenant, ça fait 2010, ça fait 6 ans. Très bien. Chaque année, je fais pareil. Tous les jours, je dois faire cette activité-là pour que je puisse vivre en paix, c'est-à-dire en paix dans mon esprit. Voilà, c'est ça. Sinon, sans ça, je ne peux pas vivre. Merci. Merci beaucoup.